Zami telespektateur, mwen salye nou, bienvenu nan panorama sosyal du groupe Production TV Network. Merci de l'intérêt et surtout de votre fidélité. Sujet nou pou jodi a, célébration de la 4e journée internationale de l'éducation. Ministère éducation nationale à formation professionnelle, célébré lundi 24 janvier 2021, 4e journée internationale de l'éducation. Qui vient pour thème, changer de cap, transformer l'éducation. Anessa, cérémonie célébration journée ça, c'est présidée par Premier ministre Ariel Henry. Comment cérémonie ça s'est déroulée? Dans la deuxième tranche d'émission, nous allons plus de détails. Bienvenue à l'émission du jour. Panorama social, le temps de la pause. On se retrouve après. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour des professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Program en 12 mois on campus, Nursing Assistant Program en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relevez 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que classe offrie le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après une classe, relayez pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondée et dirigée par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis tout de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen l'état et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954-765-6919. Online, sunrisenursingfl.com. Tous élèves qui graduaient dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Avocat Fester Pétion et son équipe, t'as même fort songer que le parler pour gérer tout cas légal qu'a bord tracas, accident machine, vie pipe tombée dans le travail, le mort de la loi, arrestation pas comprendre, c'est relé mettre Fester Pétion, 954 404 74 96. Pas occupé zot qui pas parler langue pao et qu'a promettre la communion sans confession, relé mettre Fester Pétion qui saute remporter victoire légale plus passer 2 millions de dollars pour année 2021, sans compter tout yon palmarès de victoire devant la loi pendant plusieurs années, relé 954 404-74-96 puis une consultation gratis depuis ou bien cas. Et puis tout, avocat Fester Pétion et son équipe, il y a plus passé 60 ans d'expérience dans Claim Adjuster, assurance, medical malpractice, property damage, maison privée, coût business, dossier criminel et l'autre encore. Avantage pour vous, c'est que Maître Fester Pétion, c'est un membre actif de Million Dollar Advocate Forum pour bon service avec victoire cas plus passé 1 million de dollars. Qui dit mieux? Messieurs, dames, depuis ces problèmes légaux qui présentaient la vie aux solutions normales sans te faire mal avec Office Avocat Maître Fester Pétion qui est dans 19790 West Dixie Highway, suite 701 Aventura, Florida, en face Aventura Mall. Téléphone 954 404 74 96. Ouvert du lundi au vendredi de 8h du matin à 6h du soir. Le samedi, sur rendez-vous fermé le dimanche. Maître Fester Pétion et son équipe, ses victoires garanties dans tout cas légal qu'à votre cas. Chers téléspectateurs, bienvenue à la deuxième partie de l'émission Panorama Social. Merci de votre patience. Comme annoncé en début d'émission, sujet nous pour aujourd'hui à célébration de la 4e journée internationale de l'éducation. Lundi, qui était 24 janvier 2022, a marqué journée internationale d'éducation. 3 décembre 2018, Assemblée générale Nations Unies s'est adoptée une résolution qui proclamait 24 janvier une journée internationale d'éducation, sciences et culture. Thème pour Anissa, c'est changer le cap, transformer l'éducation. En Haïti, ministère éducation nationale à formation professionnelle s'est célébré 4e journée internationale d'éducation dans le Caribe. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence
Premier ministre Dr. Ariel Henry à plusieurs personnalités, tant pour ministre Affaires étrangères Akusla, Jean-Victor Généus, ministre Justice là, Berto Dorté, secrétaire d'État Alphabétisation, Sandra Michel Saint-Georges, ministre Culture à Communication, Émilie Prophète Milce, avec un pile travailleur dans le domaine éducation. Chef de cérémonie a souligné deux objectifs de journée ça. Premier, c'est honorer 10 personnalités qui travaillent à courage, détermination et engagement pour recommencer l'activité de l'école dans une zone qui est difficile. Deuxième moment fort, c'est remettre à plusieurs dizaines d'enseignants les nominations. Dans le propos de bienvenue, comme pour replacer l'événement dans le contexte, maître de cérémonie, Ibson Saint-Fleur, déclarait que le thème correspond à la réalité haïtienne. Changer de cap, c'est faire les choses différemment et mieux faire. C'est transformer toute éducation, accepter une meilleure éducation numérique dans l'enseignement en Haïti. Ça veut dire tout, plus bonne formation pour professeurs, acte ça cap vini directement dans la salle de classe. Yo. Changer de cap, sous-entend tout remettre l'éducation dans l'échelle mondiale et nationale dans le cœur problématique écologique, sanitaire, sociale et économique. Dans le discours de circonstances, le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, encourager la communauté éducative là, principalement le ministère de l'Éducation nationale, pour y faire tout ça y capable pour construire l'école haïtienne du 21e siècle là, qui favorise une culture de paix, progrès culturel, scientifique et socio-économique pour tout le monde. Moi je dis sans exclusion, parce que le gouvernement agit tout côté qui importe l'école qui était fermée. Pour raisons diverses et variées, dans l'idée pour favoriser scolarisation pour tout le monde dans le pays. Que cela soit très clair, a-t-il ajouté. Pour le gouvernement m'a dirigé, l'éducation c'est à la fois un bien public et une responsabilité publique. Ça qui garantit bonne qualité d'éducation inclusive et équitable pour tout le monde dans le pays. Quitte y a vivre dans le milieu rural, dans bidonville ou bien la ville. Quitte ces troisième circonscription Port-au-Prince, côté la plupart dans l'école publique et non publique fermée ou dysfonctionnelle. Quitte c'est l'école département NIP Sud Agrandance, l'heure est à l'action au sein de tout le gouvernement. Locataire primatia, Premier ministre Ariel Henry, by assurance que appareil l'État à travers le ministère de l'Éducation nationale est plus que jamais mobilisé pour que des milliers de monde et d'adolescents qui ont en pile difficulté pour suivre formation yo, à cause en pile bouleversement dans le calendrier scolaire yo, dans la dernière année. Pour retourner dans la salle de classe, tout côté sous territoire national. Là. Chaque jour, classe qui est perdue, chaque personne qui parle à l'école, c'est un pas en plus vers pauvreté, insécurité et instabilité. Le Premier ministre en fait connaître tout, il est très conscient de la façon dont enseignants nous ont évolué. C'est une priorité du gouvernement à améliorer les conditions de travail, a-t-il indiqué. Par ailleurs, il a ajouté que le ministère de l'Éducation nationale a continué à faire effort dans le rythme de disponibilité dégagée. Et il a fait nouvelle annonce relative à arrière salaire personnel contractuel. En présence Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale là, à formation professionnelle, Nesmi Maniga, pas de passer par quatre chemins. Il fait connaître l'éducation en jouer un rôle essentiel dans la construction société durable et résiliente. Il réaffirme volonté pour contribuer dans la nouvelle école ça dans le pays. Le ministre Spimaniga fait connaître tout. Le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle est heureux d'une part pour régulariser et accueillir nouveaux enseignants. Il y a une centaine qui étaient présents dans l'occasion de la Journée internationale d'éducation
pour renforcer base l'école fondamentale là. Mais toute nouvelle matière curriculum secondaire, en particulier éducation dans citoyenneté, enseignement créole, éducation artistique et culturelle, économie, environnement, pour nous citer que ça y est. Pour changer cap là à transformer l'éducation, le ministre Nesmi Maniga dit heureux pour l'annoncer réaction Commission nationale scientifique à curriculum, mission li, c'est encadrer réflexion et action sur recherche, production connaissances scientifiques, actualisation curricula, accès soit compétences 21e siècle, a-t-il indiqué. Ministre a rappelé urgence pour former une nouvelle génération de citoyens sensibilisés à différents risques sismiques que le pays a exposés. Ministre Landi est content que 14 jeunes géologues licenciés dans l'École nationale de géologie appliqués qui intégrent un nouvel groupe jeunes enseignants qui pourraient renforcer nouveau secondaire, particulièrement section sciences, vie à terre. En pile dans les jeunes enseignants, sont dans l'École nationale des arts, l'École normale supérieure, etc. M. Maniga a insisté sur le processus d'enseignement qui doit impacter la salle de classe. Il a annoncé pour bientôt l'application triangle d'or de la gouvernance de base. Selon le ministère, dans un temps qui n'est pas trop loin, ni l'école publique ni privée pas capable de garder un lien avec le ministère si ensemble enseignants n'ont pas enregistré dans la base de données du ministère. Mesure ça yo a permis de protéger la société et le système éducatif là, selon le ministre, l'application loi ça existait déjà. Représentant du ministère en Haïti, ambassadeur Bruno Maes, qui est à la fois représentant Fonds Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et coordonnateur groupe sectoriel pour l'éducation en Haïti, salue en pile fort, continue l'État haïtien avec le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Il évoque nécessité pour le ministère de l'Éducation nationale travaille en concert avec partenaires techniques et financiers pour changer l'avenir de l'économie. En pile adolescent et en pile jeune. Pour arriver à un tel changement, nous devons changer de cap. Former l'éducation, même gens à thème qui retenu pour journée. Il a également évoqué récentes initiatives relatives à la réouverture de l'école dans le quartier sensible Port-au-Prince qui touchait par violence urbaine dans l'école dans trois départements Grand Sud, qui affecté par tremblement de terre 14 août 2021. Il fait connaître tout que UNICEF et l'autre agence sérieux a travaillé pour côté l'État haïtien pour matérialisation principe que l'éducation c'est un droit humain et une responsabilité publique. Dans l'occasion de la célébration 4e journée internationale d'éducation, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle honoré en pile personnel enseignant, administratif et intégration une centaine de jeunes enseignants dans le système éducatif. Là. Parmi les gens qui décorent, il y a des gens qui ont facilité la reprise en pile activité scolaire dans la zone à risque. Ils sont dans le lycée national La Saline, lycée Daniel Fignolet, lycée Alexandre Pétion, l'école nationale Cité Soleil et la police communautaire éducative. Une place honneur et mérite est décernée à chaque nanyo dans l'idée pour saluer contribution citoyenne yo dans reprendre activité scolaire dans le quartier Grand Armée. Par ailleurs, dans la même journée commémoration ça, en pile nomination qui signait par le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, a permis provisoire d'enseigner certifié par le ministère de l'Éducation nationale, par le ministre Nesmi Maniga, c'est distribué par jeunes gradués. Jeunes taillots pour désormais enseigner dans le niveau fondamental et secondaire.
100 nouvelles recrues sorties dans l'école supérieure de l'École nationale de géologie appliquée, faculté de droit et sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti, de la formation initiale accélérée, de l'École nationale des arts, du centre de formation des enseignants, de l'école fondamentale. L'éducation offre aux enfants la possibilité de sortir de la pauvreté et de s'engager sur la voie d'un avenir prometteur. Cependant, dans le monde, plus de 258 millions d'enfants ne sont actuellement pas scolarisés. Plus d'un cinquième d'entre eux sont en âge de fréquenter l'école primaire. La pauvreté, la discrimination, les conflits armés, les situations d'urgence et les effets du changement climatique sont autant de facteurs qui rendent l'accès à l'école difficile. Restez branchés, on se retrouve après la pause. Pierre Tax Group, Tarmé, faut qu'on ait que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans 8304 Pembroke Pines, Florida, dans Hampton Business Center, que la file taxe pour nous tous qui dans 50 États aux États-Unis. Relais 954 362 5199 pour file taxe comme ça doit. Pierre Philanthrope, il y a plus passé 25 années d'expérience dans file taxe personnel coup business et il y a un master degree en Law of Taxation aux États-Unis de l'University of Florida qui s'est top 5 dans l'école Law Tax aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra l'école Business Award de Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute, qui c'est un titre offert à Enroll Agent, CPA, avec avocat pour représenter clients devant IRS. Pierre Philanthrope, c'est un expert en taxes qui paraît pour fil taxe ou face à face ou bien virtuel pour quel que soit état quoi vivre aux États-Unis. Messieurs, dames, saison taxe à l'ouvrir, confiez Tax 8 à nous à un expert. Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group qui est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304 Pembroke Pines, Florida, dans Hampton Business Center. Website pierretax.com, téléphone 954-362-5199. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, vous filez taxe comme ça doit devant la loi pour qu'à domi, qu'à poser. Stanley David, Insurance Broker, car il faut songer que le pari pour l'aider au prendre décision pour une meilleure gestion de votre vie financière. Relais 781-392-1745 pour Life Insurance, Long Term Care Insurance, Annuities ou bien serrer l'argent pour accomplir rêvez-vous. 781-392-1745, relais Stanley David, Insurance Broker ou bien visitez online dans stanleydavid.net. Sorti dans serrer l'argent pour collège petit ou en passant par Tax Free Retirement Planification, gardez-nous. Contactez Stanley David Insurance Broker dans 781-392-1745. Explication détaillée sous plan qui est plus bon pour vous. Stanley David Insurance Broker qui a un horaire flexible. Stanley David Insurance Broker qui a accès à plus passer 200 compagnies d'assurance ou qui a choisi plan assurance qui est plus bon pour vous. 781-392-1745. StanleyDavid.net. C'est ça, net. Chers téléspectateurs, vous avez suivi Panorama Social. L'émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Rupi Production TV Network et vous ne serez pas mieux à heure. À la prochaine. God bless.